toucher de la glace. Okay. On va commencer. Ah oui, je t'ai rendu. Hein? Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Je salue également les gens qui sont en direct sur YouTube. Donc, n'oubliez pas la période de questions de venir vous adresser au micro en vous identifiant pour le bénéfice de ces gens-là. C'est toujours intéressant de savoir qui parle. À l'ordre du jour, donc après la constatation du quorum se fait, l'ordre du jour, on a un retrait, le point 12.01 qui concerne le déchiquetage des branches. On va donner le contrat, on a eu quelques soumissions, mais on a quelques vérifications à faire, donc on n'était pas prêt ce soir à octroyer la soumission. On a aussi un ajout, le point 8.3. Ah oui? Dossier déneigement, transport. Vous avez raison. Un ajout concernant le dossier de déneigement avec les transports Gilles Pépin. Ça, ce n'est pas le déneigeur actuel, c'est le déneigeur avec qui on faisait affaire il y a quelques années. Où on avait un dossier en litige et on est arrivé à un règlement hors cours. Donc, avec cet ajout et ce retrait, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Appuyé par? Mona Morin. Vos micros sont-ils tous ouverts, Mme Demet? C'est des fois que sur YouTube, on n'entend pas bien. Merci. Donc, 3.1, la séance régulière du 4 février, le procès-verbal. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Réagir. Appuyé par? Stéphane Labrie. C'est. 4.1, dépôt de la liste des correspondances du mois de février. Contrairement à ce qui est écrit ici, là, c'est marqué qu'il n'y en a aucune correspondance, mais on en a reçu une, donc elle sera rajoutée, puis vous l'aurez l'information dans vos documents. En 4.2, des informations, en fait, quelques points. Tout d'abord, je veux prendre un petit peu de temps pour féliciter trois jeunes de notre municipalité qui participent ou ont participé aux Jeux du Québec. Si vous avez vu sur les amateurs de Facebook, j'ai fait une petite vidéo pour les encourager. Il s'agit de Mme Mégane Courtemanche, Mme Marianne Provencher et M. Victor Canuel. Les deux dames sont en ringuette et M. Canuel est en gymnastique. Et ce que j'ai vu hier sur Facebook, M. Canuel aurait gagné une médaille d'or. Je pense une autre médaille, mais je ne suis pas certain. Donc, félicitations à ces gens-là. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ils représentent fièrement la municipalité. L'autre point, je veux revenir un petit peu sur l'activité hivernale qu'on avait programmée, la fantaisie des neiges, là, qui a, malheureusement, ça a été la fantaisie de l'eau, parce qu'il n'y a plus beaucoup. Mais quand même, il y a des gens qui, des courageux qui sont venus. Il y a quand même une cinquantaine de personnes qui sont venues. Ça démontre un intérêt, donc ça veut dire qu'on pourra répéter l'événement éventuellement. Et également, n'oubliez pas, je vous avais convié à une invitation ce soir après la réunion régulière pour la présentation du plan stratégique. Et je voudrais aussi revenir sur la rencontre d'information qu'on a tenue le 19 février concernant les berges du ruisseau Bel-Oeil. On avait invité les propriétaires riverains à venir à une séance d'information
au cours de laquelle on avait donné beaucoup de points concernant des travaux éventuels que les gens pourraient faire sur leur propre terrain. Ce que j'ai compris, puis je pense que les membres du conseil ont compris la même chose que moi au cours de cette réunion-là, c'est pas que les gens sont défavorables à faire les choses, mais c'est comme dans tout, on veut pas payer, ou en tout cas payer le moins cher. Donc le message a été clairement passé que c'était quelque chose qui était beaucoup plus collectif, donc de regarder à travailler pour aller chercher des subventions potentielles à droite et à gauche. C'est ce qu'on fait actuellement. J'ai quelques pistes de solutions. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment avancé pour l'annoncer, mais il y a des choses, des éléments potentiels là, pour aider les gens à faire des travaux de correction concernant les rives du ruisseau Belleuil. Donc, on ne lâche pas le morceau là-dessus. L'autre point aussi, vous allez voir dans la prochaine livraison du ruisseau, puis probablement sur le site web aussi, une publicité concernant des activités avec l'entreprise cardio-plénaire pour toutes les classes de la population, autant les jeunes, les moins jeunes. C'est soit du yoga, soit des activités cardio, etc. Donc, surveiller la publicité. C'est quelque chose qui peut être intéressant, dépendamment de la participation de la population. On pourra mettre sur pied de tels événements. Donc, vous surveillez l'information, vous allez voir ça, et puis juste à vous inscrire à ce moment-là. Puis, dépendamment du nombre de personnes dans les différentes activités, bien, on mettra sur pied cette activité-là. Ça se veut quelque chose comme fin avril jusqu'au début juin, mi-juin, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça, Mme Demers, là? C'est l'information que je voulais vous partager ce soir. Si on continue, point 5 au niveau des avis de motion. En 5.1, un avis de motion concernant les règles de régie interne du conseil municipal. Madame Rivard. Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté un règlement concernant les règles de régie interne et des procédures des séances du conseil. Le règlement 19.05. L'avis de motion est donné par? Régent. 5.2, un autre avis de motion en ce qui concerne un règlement pour les nuisances sur notre territoire. On a déjà le règlement, mais s'il s'agit d'apporter certaines choses, de modulation concernant les amendes, on va y revenir un petit peu plus loin, là, mais concernant les amendes qui sont rattachées aux différents points du règlement sur les nuisances. Madame Rivard. Avis de motion est donné à l'effet que sera présenté un règlement modifiant le règlement numéro 18.08 concernant les nuisances sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil afin de modifier l'article 11 concernant les recours. Donc, l'avis de motion est donné par? Diane Demers. C'est. Donc, spécifiquement, quand on fait des avis de motion, on fait aussi le premier projet de règlement. Donc, en 6.1, c'est l'adoption du projet de règlement concernant les règles de régie interne et procédures des séances du conseil. C'est un outil qu'on n'a pas ici à la municipalité. C'est un outil qui existe dans beaucoup de municipalités. Ça nous permet d'encadrer comment les choses se déroulent lors du comité plénier ainsi que lors de la séance du conseil. Donc, ça nous aide à éviter de faire des erreurs et ça permet à tout le monde de connaître les règles de fonctionnement. Donc, Mme Rivard. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 4 mars 2019, attendu qu'un projet a été présenté le 4 mars 2019, il est proposé que le projet de règlement 19.05 concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du Conseil soit adopté tel que rédigé. Tous les membres du Conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par? Oui, agent. Appuyé par? Simon Chalifoux. Merci. 6.2, c'est l'adoption du projet de règlement concernant les nuisances. On s'est aperçu au fil du temps qu'on avait un règlement sur les nuisances qui comportait plusieurs points, mais le montant au niveau des infractions était le même. C'était 500 $ pour peu importe le point du règlement sur les nuisances. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui met ses poubelles au chemin 3 jours d'avance, ça constitue une nuisance, puis il est passible d'une infraction. Puis c'était rattaché 500 $ à cette infraction-là.
concernant l'utilisation du cannabis dans des lieux qui vont être proscrits. Mettre 500$ à quelqu'un qui fume un joint, c'est peut-être pas applicable. Donc, ça juste. Donc, avec le règlement, on veut moduler un peu en fonction des infractions commises, un montant qui sera affecté pour que ce soit plus applicable, plus logique. Alors, Mme Rivard. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 4 mars 2019, il est proposé que le projet de règlement 18.08.01.19 modifiant le règlement 18.08 concernant les nuisances sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil afin de modifier l'article 11 concernant les recours soit adopté tel que rédigé. Tous les membres du conseil présents déclarent en avoir reçu copie et l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Proposé par Diane Demers. Appuyé par Stéphane Nevry. Merci. 6.3, on va apporter une modification à un règlement d'emprunt qui existe déjà, qui permettait de faire les travaux sur la rue de l'aéroport. Mais en cours d'exécution, on s'est aperçu qu'il y avait plus de travaux à faire qu'on avait planifié au départ. En même temps, on incorpore à ce même règlement d'emprunt-là la réfection du tarmac qu'on projette de faire en 2019. Donc, à l'intérieur du même règlement, ça va nous permettre de compléter les travaux en ce qui concerne et la rue de l'aéroport et le tarmac. Alors, Mme Rivard. Attendu que le conseil municipal a adopté le 5 juin 2017 le règlement numéro 17.05 décrétant des travaux pour la construction d'un réseau d'égouts pluvial en remplacement des fossés ouverts, réfection de l'aqueduc et réfection de la rue de l'aéroport et un emprunt au montant de 2 570 000 à cette fin, attendu que lors de la réalisation des travaux effectués par Eurovia Québec Construction Inc., des imprévus ont entraîné des dépenses additionnelles, voyons, pour la municipalité. Attendu l'article 1076 du Code municipal du Québec, qui permet au Conseil de modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Attendu qu'il y a lieu d'augmenter de 408 216 $ le montant des dépenses décrétées au terme du règlement numéro 17.05 et de pourvoir à l'appropriation de cette somme, attendu qu'une subvention de 207 000 de la TEC a été confirmée, il est proposé d'augmenter de 408 216 les montants que le Conseil est autorisé à dépenser au terme de l'article 2 du règlement numéro 17.05. de pourvoir à l'appropriation de la somme de 408 216 $ à l'article 3 comme suit, 207 000 $ à même le fonds général de la municipalité, 201 216 $ à même le fonds réservé de l'aéroport, soit 26 216 $ qui vient de la réserve 55 910 12001 et 175 000 $ surplus affecté à aéroport 59 130 00 100. De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Donc, vous voyez que même si on augmente le total de l'emprunt, on a une subvention qu'on vient appliquer là-dessus, puis on avait déjà des fonds de réserve qui nous permettent d'aller chercher ces argents-là. Donc, au net, il n'y a aucune différence pour les contribuables. Donc, proposé par Simon Chadefou. Appuyé par Monsieur Jean, d'accord. Point 7, le rapport des comités et commissions, donc une série de dépôts de procès-verbaux. En 7.1, le procès-verbal, la séance ordinaire de la régie de l'AIBR du 10 janvier. L'AIBR, c'est la CADUC. 7.2, le dépôt du procès-verbal, la séance ordinaire de la régie de sécurité incendie de la vallée du Richelieu du 17 janvier. 7.3, le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu du 18 janvier. 7.4, le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 24 janvier. 7.5, le procès-verbal de la séance ordinaire du Comité consultatif agricole de la MRC du 5 février. 7.6, le procès-verbal de la séance ordinaire du Comité d'aménagement du territoire de la MRC du 5 février.
7.7, le procès-verbal de la rencontre du comité de cours d'eau de la MRC du 11 février. Ça nous amène au point 8.1, qui est l'embauche d'un directeur des opérations travaux publics. Donc, c'est un ajout à notre personnel qui va prendre en charge tous les travaux publics. Vous savez, ça fait déjà plusieurs mois que ce poste-là était non comblé. On a trouvé quelqu'un pour occuper ce poste-là, en qui, je pense, on a bien confiance, puis ça devrait faire l'affaire. En tout cas, on le souhaite. Madame Rivard. Attendu qu'un poste de directeur des opérations travaux publics a été publié sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur le site de Québec municipal, attendu que 3 candidats ont soumis leur candidature et qu'une seule avait l'expérience en milieu municipal et les compétences requises pour le poste, attendu les recommandations de la directrice générale, il est proposé que M. Sylvain Lauzier soit engagé à titre de directeur des opérations travaux publics en date du 18 février 2019, selon les conditions de travail établies pour un poste cadre. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Proposé par Diane Demers. Appuyé par Stéphane Labry. 8.2, on avait déjà parlé, mais on réitère notre appui pour éventuellement avoir un centre de la petite enfance, communément appelé un CPE, ici sur le territoire de la municipalité. C'est un dossier qui avait été déjà travaillé, qui avait été arrêté pendant un certain temps, compte tenu qu'il y avait un moratoire sur les places dans les CPE. Là, maintenant, c'est débloqué. On a bon espoir de voir concrétiser un CPE en 2019 ou 2020 sur notre territoire. Madame Rivard. Attendu que l'appel de projet de CPE, les copains d'abord, ont été acceptés par le ministère en 2013 avec une date de réalisation 2019-2020. Attendu que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil a acquis en novembre 2014 pour les fins d'un CPE le lot 5 774 305 situé sur la rue Fleury. Attendu que ce projet de garderie ne s'est pas concrétisé et qu'il y aurait lieu de réitérer l'intérêt de la municipalité à participer à la réalisation de l'installation en fournissant le terrain désigné plus haut, soit par bail emphytéotique ou en le vendant. Attendu que le terrain visé est situé en zone blanche et qu'il est desservi par les services d'aqueduc et d'égout. Attendu que la loi sur les services éducatifs de l'enfance permet l'adoption d'un règlement pour l'implantation d'un CPE, même s'il contrevient à une ou plusieurs dispositions au règlement de zonage. Attendu que la municipalité s'engage à l'adoption d'un tel règlement dès que le CPE aura déposé un projet d'aménagement pour le site visé. Attendu qu'il n'y a aucun CPE situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et que le conseil municipal est favorable, puisque les besoins de services pour nos citoyens seraient comblés dans leur municipalité d'appartenance et que cela contribue à une qualité de vie de nos familles. Il est proposé de confirmer que le lot 5 774 305 situé sur la rue Fleury à Saint-Mathieu-de-Belleuil est toujours disponible aux fins d'implantation d'un CPE selon les conditions précitées. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par Mona Morin. Appuyé par Stéphane Labry. 8.3, le dossier de déneigement. Donc, c'était un litige qu'on avait avec l'ancien déneigeur qui en est arrivé à sa conclusion. Donc, ça nous évite d'aller en cours grâce au travail de M. Réagent qui s'est impliqué beaucoup dans ce dossier-là. On peut dire qu'on en arrive à une solution satisfaisante pour les deux parties. Mme Rivard. Attendu que la demanderesse, les transports Gilles Pépin, a intenté une action contre la défendresse municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Attendu que la défendresse a octroyé un contrat de déneigement à la demanderesse pour l'entretien des chemins d'hiver lors d'une séance régulière tenue le 7 juillet 2014. Attendu que la demanderesse a été avisée le 15 mai 2015 que la défendresse retiendrait un montant de 35 160,78 excluant les taxes à la suite de prétendus dommages qu'elle aurait subis dans le cadre de l'exécution du contrat.
Attendu qu'il est à l'avantage de la municipalité d'en arriver à un règlement hors cours dans ce dossier, il est proposé d'autoriser Mme Lynne Rivard, directrice générale et secrétaire trésorière, et M. Normand Teasdale, maire, à signer pour et au nom de la municipalité une transaction d'équitance avec la demanderesse. Les transports Gilles Pépin, dont le texte est substantiellement conforme au projet de transaction joint à la présente résolution. Qu'une partie de la retenue soit conservée et l'autre soit conservée, soit un montant de... Non, c'est pas ça du tout, là, mais... Que la retenue soit conservée, versée, soit un montant de 27 160,78 $ taxes en sus, qu'il soit versé dans les 30 jours de la signature de la dite transaction équitance. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Donc, pour faire clair, on a réglé pour 27 000. Proposé par? Réagent. Appuyé par? Diane Demers. Point 9, 9.1, acceptation du registre des chèques du mois de février 2019 et des prélèvements automatiques. Madame Rivard. Il est proposé d'accepter le bordereau des chèques portant les numéros 81, 72 à 82, 33, inclusivement, pour un montant de 623 972 et 79. Les prélèvements automatiques au montant de 21 779 et 68 et le compte salaire au montant de 51 623 et 64. Il est proposé par? Diane Demers. Appuyé par? Réagent. 9.2, l'acceptation du bordereau des comptes payables du mois de février 2019. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes payables du mois de février 2019 au montant de 218 163 et 5. Proposé par? Réagent. Appuyé par? Diane Demers. 9.3, taxe spéciale aéroportuaire. C'est en fonction d'un règlement qui existe depuis des années. C'est que la municipalité ne fait que percevoir une taxe spéciale que les propriétaires de hangars à l'aéroport paient pour le fonctionnement de la corporation de l'aéroport. Donc, la municipalité perçoit cette taxe-là et la retourne à la corporation. C'est ce qu'on fait par cette résolution-là. Madame Rivard. Attendu que l'article 2.3 de l'entente intervenue entre la corporation de l'aéroport et la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil stipule un premier versement de la taxe spéciale à la corporation de l'aéroport au plus tard le 15 mars et un deuxième au plus tard le 15 août de chaque année, attendu que les revenus de la taxe spéciale imposée à la superficie des immeubles du site aéroportuaire soient transférés afin de pourvoir aux dépenses couvrant les obligations de la corporation de l'aéroport, il est proposé de verser la somme de 35 834,81 $ correspondant aux revenus de la taxe spéciale de 2019. Une somme de 17 917,41 $ sera versée le 15 mars 2019 et le deuxième versement sera le 15 août 2019. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02 390 00 970. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par Simon Chalifou. Appuyé par Stéphane Labry. 9.4, nous avons reçu une demande de commandite de l'organisme qui s'appelle le VRAC, c'est-à-dire c'est la relève agricole de Verchères-Chambly. Alors, Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser une aide financière au montant de 200 $ au profit de l'association VRAC, qui représente la relève agricole. La dépense est applicable au poste budgétaire 02 190 00 991. Proposé par Mouna Morin. Appuyé par Réagent. 9.5, une autre demande d'aide financière, cette fois-ci qui nous vient du Centre de crise et de prévention du suicide. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser une aide financière de 100 $ équivalent à l'achat de 4 lanternes virtuelles au coût de 25 $ chacune au profit de Contact, un centre de crise de prévention du suicide. La dépense est applicable au poste budgétaire 02 190 00 991. Proposé par Mouna Morin. Appuyé par Diane Demers. Une autre demande d'aide financière, cette fois-ci de la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2019. Alors, Mme Rivard.
Il est proposé de verser la somme de 250 $ afin de contribuer financièrement pour les activités de traitement du fonds d'archives de l'organisme. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-340. Proposé par. Louis Agent. Appuyé par. Stéphane Labry. 9.7, on doit remplacer certains postes informatiques qui, avec le temps, viennent désuets. Donc, c'est ce qu'on va procéder ce soir. Donc, Mme Rivard. Attendu que plusieurs postes informatiques sont désuets et qu'il y a lieu de procéder à leur remplacement, il est proposé d'autoriser l'achat et l'installation de 3 nouveaux ordinateurs auprès de STR Micro pour un montant total de 4 590 $ excluant les taxes. La dépense sera appliquée au fonds de roulement sur 3 ans. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Proposé par. Mona Morin. Appuyé par. Simon Chalifou. 9.8, nous avons reçu également une autre demande d'aide financière, cette fois-ci par l'Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Yamaska. Madame Rivard. Il est proposé d'autoriser une aide financière à l'Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Yamaska au montant de 100 $ pour la tenue d'un souper bénéfice qui aura lieu le 6 avril 2019. La dépense est applicable au poste budgétaire 02-110-00-340. Proposé par. Mona Morin. Appuyé par. Diane Demers. Madame Demers. Point 10.1, donc l'approbation d'un règlement de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Vous allez voir, c'est quand même un assez gros montant que la Régie intermunicipale veut emprunter afin d'acheter des équipements pour les pompiers. Maintenant qu'on est en régie, les pompiers des casernes qui étaient là respectivement, ils auront à voyager d'une caserne à l'autre. Et c'est normal qu'on ait les mêmes équipements partout dans toutes les casernes, parce que le pompier, quand l'alarme sonne, il n'a pas à se poser des questions. Bien là, cet équipement-là ici, c'est ça, là-bas, c'est comme ça. Donc, il faut qu'ils sachent exactement. On part au feu, puis on a les mêmes équipements partout. Alors, Mme Rivard. Attendu la création de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, attendu que la Régie doit procéder à l'acquisition d'équipements, attendu que la Régie a adopté le 13 février 2019 le règlement numéro 2018-009 décrétant une dépense de 1 166 117 et un emprunt de 1 166 117 pour l'acquisition d'équipements, attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le secrétaire de la Régie et que, si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Il est proposé d'approuver le règlement numéro 2018-009 adopté par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu le 13 février 2019, décrétant une dépense de 1 166 117 et un emprunt de 1 166 117 pour l'acquisition d'équipements, de transmettre la présente résolution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Diane Demers. Appuyé par. Réagent. Et j'ai oublié de le mentionner, mais les vieux équipements, ils sont revendus. Donc, il faut en acheter des neufs, mais ceux qui étaient là encore en bon état, ils sont revendus. 10.2, schéma de couverture de risque 2017-2021 en sécurité incendie. Donc, on faisait affaire, vous vous souvenez, avec la municipalité de McMaster, et ils ont remis tout le rapport d'activité qu'ils ont eu en 2018, chose qu'ils font à tous les ans. Donc, c'est la dernière année qu'on reçoit ça de la part de McMaster, parce que maintenant, on est en régie. Madame Rivard. Attendu l'adoption du schéma de couverture de risque 2017-2021 en sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, attendu que le directeur du service de sécurité incendie a déposé au conseil municipal le rapport annuel d'activité 2018 et des indicateurs de performance relativement à l'année de transition du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRCVR,
Il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt du rapport annuel d'activité 2018 et des indicateurs de performance du schéma de couverture de risque en sécurité incendie à l'agent régional de planification en sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, de transmettre copie du dit rapport à la MRCVR, de requérir de la MRCVR que le dépôt du rapport soit fait pour et au nom de la municipalité de McMasterville au ministère de la Sécurité publique du Québec. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Maria Jeanne. Appuyé par. Diane Lemers. Point 11, on va faire une résolution pour octroyer un contrat d'entretien de gazon et des espaces verts pour 2019. Madame Rivard. Attendu la résolution 17.169, retenant pour la saison 2017 les services de services paysagers Martin Gagné pour l'entretien des espaces verts ainsi que pour les trois années d'option de renouvellement 2018, 2019, 2020. Attendu que les services rendus ont été satisfaits et il est besoin pour la nouvelle saison 2019, il est proposé de renouveler le contrat de services paysagers Martin Gagné pour l'entretien des espaces verts pour la période 2019 au même tarif que l'an dernier indexé du montant équivalent à la variation de l'indice des prix à la consommation de la région de Montréal étant établi par Statistique Canada pour une période de 12 mois selon le taux de variation le plus récent disponible au moment de cette résolution. La dépense était applicable au poste budgétaire 02-701-50-699. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Maria Jeanne. Appuyé par. Stéphane Labrie. 12.1, on l'a retiré. Ça nous amène au point 13. 13.1, qui est la nomination d'un conciliateur arbitre pour le traitement des mésententes telles que prévues à la loi. En fait, on a ça depuis des années. Puis toutes les municipalités ont ça. On doit avoir quelqu'un au sein de notre organisation qui puisse agir comme arbitre. Dans le cas d'un litige entre deux citoyens, il va aider à la résolution du conflit. Sinon, ça va après ça à un conciliateur, mais on doit avoir une personne ici ressource pour faire cette première approche-là. Madame Rivard. Attendu l'article 35 de la loi sur les compétences municipales, attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination d'une personne désignée aux fins de traiter les mésententes prévues à l'article 36 de cette même loi, attendu que la municipalité désire étendre la compétence de cette personne désignée à l'ensemble des propriétaires de son territoire en excluant les zones blanches, attendu que la municipalité souhaite prévoir la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée ainsi que les frais d'expertise s'il y a lieu, il est proposé d'autoriser de nommer M. Romain Schweitzer à titre de personne désignée avec tous les pouvoirs prévus aux articles 35 et suivants de la loi sur les compétences municipales, d'étendre la compétence de cette personne désignée à l'ensemble des propriétaires du territoire de la municipalité en excluant les zones blanches, que les honoraires de cette personne désignée soient établis sur la base du tarif joint à la présente résolution comme à l'annexe A, que les frais admissibles pouvant être au surplus être acquis par cette personne désignée sont constitués des coûts réels nécessaires suivant le cas échéant, les frais engagés pour la notification des avis de convocation des propriétaires intéressés, les frais raisonnables entraînés pour l'obtention d'un avis d'un professionnel ou pour la confection de tout matériel ou tout document nécessaire à la résolution de mésentente, les frais engagés pour la notification de l'ordonnance émise, le cas échéant. Et en annexe A, on a les coûts qui sont reliés, qui est examen de la demande, 50 $, avis de convocation des propriétaires intéressés ou affectés par les travaux, 50 $, visite des lieux, réception des observations et conciliations, 150 $, confection de l'ordonnance, 150 $, premier rapport d'inspection, 65 $, deuxième rapport d'inspection, 65 $, toute autre visite des lieux, 50 $. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par. Diane Demers. Appuyé par. Maria Jeanne. Ça nous amène au point 14.1, qui est le poste de coordonnateur au camp de jour pour l'été prochain. Alors, Mme Rivard.
Attendu les besoins spécifiques pour un poste de coordonnateur au camp du jour et l'expérience cumulée à titre d'animatrice et depuis 2 ans au poste de coordonnateur, il est proposé de retenir les services de Marie-Pierre Brodeur au poste de coordonnateur pour le camp du jour 2019 selon les conditions de travail établies à la politique salariale du camp du jour. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Il est proposé par Stéphane Labrie. Madame Morin, appuyée de M. Labrie. Oui. 14.2, donc on se prépare tranquillement pas vite à une autre fête de la Saint-Mathieu pour le mois d'août. Et à cet effet, bien, on va mandater un organisme pour gérer l'organisation comme telle. Et ça nous permet, avec cet organisme-là, de postuler pour aller chercher une subvention. Donc, Madame Ribard. Attendu que l'ampleur de la fête Saint-Mathieu au niveau régional nécessite des autorisations nécessaires en vue de déléguer à un OBNL l'organisation et la gestion des revenus et dépenses de cet événement, attendu qu'un rapport financier de cet organisme doit être déposé au Conseil avant l'octroi de la subvention, ainsi qu'une copie de leur assurance responsabilité, attendu que les prévisions budgétaires de cet événement devront être présentées au conseil municipal, ainsi que le suivi mensuel détaillé des revenus et dépenses, attendu que dans le cadre de la politique de soutien aux communautés rurales 2019, la MRC de la vallée du Richelieu invite les organismes à présenter des projets porteurs pour le développement rural, attendu que les municipalités sont des promoteurs admissible et que le conseil municipal désire appuyer Voitures antiques du Québec pour la présentation d'un projet ayant pour but d'organiser un événement récréo-touristique qui favorise autant la participation des citoyens que des gens à l'extérieur, attendu que les activités qui seront organisées comportent tous les événements, les éléments nécessaires à ce projet. Il est proposé d'autoriser l'organisme Voitures anciennes du Québec à gérer l'organisation du Québec, à gérer l'organisation de la fête Saint-Mathieu selon les conditions citées précédemment et ce, afin de satisfaire les exigences de saine gestion des activités municipales, d'appuyer Voitures antiques du Québec dans leur demande de soutien aux communautés rurales 2019 déposée à la MRC de la vallée du Richelieu pour le projet récréo-touristique Fête Saint-Mathieu qui se tiendra en août 2019. Le préambule fait partie de la résolution. Il est proposé par Diane Demers. Appuyé par Stéphane Labrie. D'accord. Donc, ça fait le tour des points qu'on avait à l'ordre du jour. On est rendu à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, je vous invite à vous adresser au micro en vous nommant pour le bénéfice des gens qui sont sur YouTube, comme je disais tantôt. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avancez, s'il vous plaît. Attends un petit peu, je pense que le micro n'est pas ouvert. Non, il n'est pas. Il y a un petit piton en arrière. Là. Oui, c'est ça. Allô? Ça prend 5 secondes. Oui, c'est beau, on recommence. Denis Goyette, je voulais savoir pourquoi mon projet, il n'y a rien qui se passe, pourquoi ça n'avance pas? Bien, on a fait les résolutions nécessaires pour faire les changements au niveau de la réglementation. C'est en cours de processus. OK. Alors, Je pensais qu'il allait avoir un avis de motion. Pas tout de suite, je ne pense pas qu'on soit rendu là, mais je vous invite à contacter Romain Choisir. Okay. Il pourra vous donner les derniers développements. Là, mais de ce qui nous concerne, nous, on a fait le travail nécessaire pour que votre dossier puisse avancer. Ça va aller à MRC, puis ça va revenir après? Bien, au bout des modifications réglementaires, on n'a pas le choix. Là. Ça va aller à MRC. Oui. OK. Effectivement. Merci. D'accord. Bonjour à vous. La question est super simple, c'est que je regarde l'éventualité d'avoir... vous nommez, s'il vous plaît. Bien sûr. Mon nom, c'est Jesse Rodrigue. J'ai simplement une question. En gros, c'est que j'avais le projet l'année passée d'avoir un petit poulailler urbain, 2-4 poules à peu près. Ouais. On m'avait parlé que ce n'était pas possible dans la ville de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je voulais voir si, avec vous s'il y avait une possibilité d'ouvrir un projet pilote où certaines villes ont déjà emboîté le pas là-dedans. J'ai la ville de Rawdon que je pourrais vous remettre. Mm-hmm. C'est super bien structuré, bien encadré. Donc,
que... Bien, si vous voulez me le remettre, oui, ça va nous aider, c'est sûr. Actuellement, notre réglementation ne le permet pas, je dirais, je pense qu'elle est assez muette sur ça. Oui, mais dans le fond, ils mentionnent, ils font une référence en identifiant certains animaux domestiques, puis ils disent que tout le reste figure dans les zones résidentielles sont interdites. Tout simple que ça. Mais je peux prendre votre copie, si oui. Ça va nous aider à faire la réglementation éventuelle. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que je sais que par les années passées, il y en a qui n'ont eu des poules, des petits poulaillers comme ça. Oui, je vous dirais, tant qu'on n'a pas de plainte, tant que les gens sont d'une façon raisonnable, c'est toléré, mais effectivement, avec ça peut nous aider à bâtir un règlement pour vraiment l'encadrer. Honnêtement, le projet pilote encadre bien toutes les petites dérives qu'il pourrait avoir. Est-ce que c'est possible, dernière question, puis est-ce que c'est possible de voir ça d'ici cette année ou c'est quelque chose qui peut prendre un temps X qui pourrait aller à l'année prochaine? Donc, je pense qu'on peut faire ça assez rapidement. Comme je vous dis, par les années passées, il y en a... souvent eu des petits poulaillers urbains. Tant qu'il n'y a pas eu de plainte, on les tolérait. Cependant, il faut que les propriétaires soient conscients qu'il y a de l'entretien à faire avec ces oiseaux-là, qu'il y a des risques sanitaires qu'il faut respecter. Il ne faut pas respecter les risques, mais il y a des risques sanitaires, donc il faut respecter certaines mesures de biosécurité parce que sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, il y a aussi des élevages de plus grande importance et certainement que ces gens-là ne veulent pas que leurs oiseaux soient à risque de contracter des maladies parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a négligé quoi que ce soit. Donc, il faut être conscient de ces choses-là. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Juste un point, M. le maire. Juste confirmer, c'est moi votre conseiller. Fait que je vais faire suivre avec vous de ce projet-là. Génial. Merci. Jocelyne Poirier. Alors, ma question concerne le point 6.3. OK, pour le règlement d'emprunt pour l'aéroport à nouveau, la modification. Donc, vous avez rajouté un montant de 408 000, etc. Et vous avez utilisé une réserve. Vous avez dit que ça ne touche pas nos taxes, ça ne touche pas nos argents de citoyens. Mais il y avait la réserve. La réserve, c'était l'argent des citoyens, vous l'avez utilisé. C'est une réserve qui est vraiment affectée à la corporation de l'aéroport. Donc, par entente, la municipalité de Saint-Mathieu, depuis des années, constitue une réserve pour aider la corporation à subvenir à certains travaux qu'il doit faire, des travaux mineurs, des choses comme ça. Et donc, c'est cette réserve-là qui avait déjà un certain montant. Puis le but de ça, c'est de l'utiliser pour des travaux de plus grande importance, comme c'est le cas cette année. Qui gère la corporation? La corporation, elle est gérée par un conseil d'administration formé de 5 individus, si je ne m'abuse, qui sont à la fois pilotes et propriétaires des hangars à la corporation, un instant. Et il y a un conseiller, en l'occurrence M. Chalifou, qui siège au conseil d'administration de cette corporation-là. Et la corporation relève de la municipalité. Exact. Alors, les taxes qu'on vient chercher, la taxe de la corporation de 35 000 qu'on leur remet, on va percevoir des taxes et on leur remet. Non, c'est que ça, il y a une taxe spéciale qui est chargée spécifiquement à la superficie des terrains des propriétaires à l'aéroport, qui, eux, acceptent de se prélever, qu'on prélève un certain montant et qu'on le remet ensuite en deux versements pour permettre le fonctionnement de la corporation. Est-ce que leur prélèvement, eux, c'est-à-dire leur taux de taxation, est-ce que c'est celui de l'industriel ou du commercial? C'est du INR, donc immeuble non résidentiel. Ah, OK. Ça, je n'avais pas pris mes notes. Mais ça donne combien, le taux de taxation? C'est une mauvaise question. Je ne sais pas le taux par cœur du INR, Mme Rivard. Est-ce que vous avez suivi? Je ne connais pas par cœur. C'est pas mal le plus élevé. C'est le plus élevé? C'est le plus élevé de tous les taux de taxation. OK. À ce moment-là, à un moment donné, est-ce qu'on va vraiment, parce qu'on fait beaucoup de règlements d'emprunt pour le tarmac et tout ça, ça fait plusieurs projets... toujours le même projet qu'on voit, le même projet d'emprunt qui vient. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ce projet-là pour le tarmac, etc. Oui. À un moment donné, on va revoir cet argent-là revenir vers nous parce qu'on fait beaucoup de dépenses pour eux. Là. On fait des dépenses non seulement pour eux, mais pour nous parce qu'on a dépensé pour la réfection de la rue de l'aéroport, l'installation, la mise à niveau des aqueducs, égouts, etc. Oui. La rue de l'aéroport, ça appartient à la municipalité.
C'est pas... Mais les travaux ont été faits pour eux. Les travaux ont été faits pour l'ensemble des citoyens de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est une rue qui appartient à la municipalité. C'est sûr, je vais être d'accord avec vous, la majorité des gens qui utilisent cette rue-là, ce sont ceux qui ont des hangars à la rue de l'aéroport. Je n'ai rien contre ça. Vous, moi, je suis très heureuse, surtout qu'il y a un taux de taxation plus élevé que nous. Oui. Puis c'est là où je veux en venir. Ben, vous allez nous présenter votre plan stratégique, là? Oui. Je présume que je vais voir des choses par rapport à ces choses-là dans votre plan stratégique. Ben, je ne sais pas si on va être si pointu que ça pour aller avec la corporation de l'aéroport. OK. Là. Mais en tout cas, à tout événement, on verra. Autre question. Vous savez, vous faites beaucoup de demandes de commandites. Quand vous avez présenté vos budgets, il y avait des commandites qui étaient données à des organismes qui étaient préétablis. Oui. Donc, on a un budget, disons, de 1 000 Exemple. 2 000. Est-ce que dans ce que vous nous avez présenté ce soir, il y a de nouvelles demandes qui se sont émissées dans ça? Oui, effectivement. Tout ce qu'on vous présente, c'est des demandes additionnelles, donc qui ne sont pas dans la liste de ceux qu'on a déterminés dans le 2 000 C'est pour ça qu'on passe une résolution et c'est une discussion avec les membres du Conseil si on accepte ou pas. Je vous dirais qu'on les accepte. Ça veut dire qu'on va excéder notre budget de 2 000 Non, on essaie de toujours respecter à l'intérieur du budget de 2 000 Fait qu'avant d'accepter une demande de commandite d'un organisme qui n'est pas sur la liste, on se pose toujours la question où on en est rendu dans notre budget. Remarquez que je n'ai rien contre tout ce qui est la crise prévention du suicide et puis l'Association des parents handicapés. Là, ça, c'est pas, ça n'a pas rapport. Mais quand je regarde la Société d'histoire de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire, est-ce qu'on s'entend qu'ils ont pas mal plus d'argent que nous autres? Pourquoi nous autres, il faut qu'on donne de l'argent à une municipalité qui est pas mal plus riche que nous autres? Non, je m'excuse. On ne donne pas de l'argent à Belleuil ou Mont-Saint-Hilaire. On donne non, l'argent à l'association. À un organisme qui s'appelle oui, Société d'histoire. Oui, mais est-ce que cette société-là pourrait demander de l'argent à Mont-Saint-Hilaire et Belleuil au lieu de nous? Là? Ils le font. Oui. Ils présentent une demande de commandite à toutes les municipalités. C'est à nous, après ça, d'accepter ou pas. Parce que je suis d'accord avec les OSBL, là, OK? Je n'ai pas un mot à dire là-dessus, mais des choses comme ça, à un moment donné, c'est pas un bar ouvert, Saint-Mathieu. Depuis que je viens ici, on n'arrête pas de donner de l'argent à tout le monde. Bon. Je me demande jusqu'où nos budgets, ils sont gérés. Je pense que nos budgets sont gérés très serrés. Et il y a plusieurs demandes de commandite que vous ne voyez pas ici parce qu'elles sont refusées au Conseil. Les seules que vous voyez, c'est celles qui ne sont pas sur la liste et qu'on a décidé d'adhérer, compte tenu que le budget ne le permettait. Okay. C'est ça que vous voyez. Ce qui me préoccupe, c'est que je vois de plus en plus des projets d'emprunt. C'est toujours des projets d'emprunt. À quel point on est capable d'aller? Parce qu'auparavant, on avait des projets d'emprunt, mais on allait chercher, l'administration précédente allait chercher énormément de subventions au maximum. Là, on a eu une petite subvention qui court pour justement le tarmac là, de 207 000. Dans d'autres projets, pourquoi on ne va pas chercher plus d'argent? On va toujours chercher le maximum de subventions qui est disponible. Est-ce que vraiment on le sait? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ou d'autres projets qu'on ne connaît pas? Bien, les subventions au niveau municipal sont toutes sur le même. On ne peut pas passer à côté. On est informé. Nous, on reçoit des courriels. On a appliqué les subventions. Il y en a qu'on n'a pas eu parce qu'on n'a pas entré dans le... Dans les barèmes qu'ils demandaient. Et les subventions qui ont été données ici avant, c'était pour des nouvelles conduites d'égout. Présentement, ça, comme toutes les conduites ont été faites, il en reste encore à faire. C'est la seule place qu'on peut aller chercher les subventions présentement. Okay. Ça, on le savait pour les subventions. Tout ça, c'était très, très clair parce qu'on avait eu une bonne présentation de l'administration précédente. On savait exactement où on s'en allait. Mais c'est parce que je vois beaucoup de dépenses qui sont là et je voudrais juste qu'on me rassure que c'est géré correctement. Bien, écoutez, je vous le dis, mais croyez-moi pas sur parole, croyez la parole de Mme Rivard, croyez la parole des conseillers et conseillères. Le budget, on le suit d'une façon serrée. À chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui requiert des dépenses de la municipalité, on se pose la question si on peut la faire. Est-ce qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça? Si oui, on fait les démarches pour aller les chercher. Il y a des fois qu'on est obligé de dire non à certains projets parce qu'on sait qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de subvention. On est obligé de retarder des travaux qui, éventuellement, devront arriver. Donc, je pense que le travail au niveau administratif est assez serré et la preuve... Oui, on a une bonne DG, ça, par exemple. On doit l'avouer, là, on voit une grosse différence. Bien, donc, vous venez de faire la réponse à votre question. Je pense que on est en droit de bonne main avec Mme Rivard et son équipe, et je réaffirme que le Conseil voit toutes les dépenses et se prononce là-dessus.
OK. Dernière question. On va avoir la présentation du plan stratégique. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous faites cette présentation-là après une session, une séance du conseil? Mais parce qu'on a trouvé que c'était un moment intéressant pour le faire. On voyait difficilement de faire une séance vraiment spéciale sur ça. On s'est posé la question, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont être interpellés par ça, qu'on prenne une journée différente de la soirée du conseil? On s'est dit probablement que non, il n'y aura peut-être pas suffisamment de personnes qui vont se déplacer. Donc, on va profiter d'une séance régulière pour en faire la présentation. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on le présente. Avec les modes de communication que la municipalité a, on peut susciter l'intérêt. Ma préoccupation, c'est que j'ai juste l'inquiétude que le plan stratégique, ce n'est pas plus important là, pour vous. Ben, en tout cas, on a des documents qui sont là. On l'a affiché sur le site web de la municipalité. Oui, j'ai tout on ça. L'a Et fait dans le ruisseau. Pardon? Elle oui. sera aussi en ligne. Cette présentation, oui, elle va être en ligne aussi. Okay. Les gens pourront l'écouter en ligne. OK. Alors, je pense qu'on a pris tous les moyens qu'il y avait à notre disposition pour en faire la publicité. OK. Merci beaucoup. D'accord. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un pour lever l'Assemblée? Mona Morin. Appuyé par? Stéphane Labrie. D'accord. Donc, on va procéder à la présentation du plan stratégique. Peut-être aller s'asseoir dans la salle. À ce moment-là, ça va être plus facile pour visionner. Fermez vos micros. Je vais la repartir. OK, on va pas y aller. J'avais pris mon fil, il était tout déchargé. Le fil n'était pas là. Je ne savais pas où vous étiez. Ça veut dire que je monte en haut, j'appelle Virginie pour savoir où était le fil. Donc, le plan stratégique, comme je vous disais, il y a des copies. Si vous voulez suivre, il y a des copies papier. Ça sera en ligne aussi. Donc, on peut s'y référer n'importe quand. Alors, je vous tourne le dos, Mme Rivard, mais c'est pas grave. Donc, on y va. On peut essayer, putain. Naturellement, ce que vous retrouvez là, c'est un travail qui a été fait sur une année, presque une année, par les membres du conseil avec... une personne de la firme Raymond Chabot et Associés qui nous a accompagnés dans l'élaboration du plan stratégique. Donc, le plan stratégique, ça se veut une démarche qui s'inscrit dans la volonté des élus et des employés d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes. On part d'où, où on veut aller, puis comment on va y arriver. Donc, c'est ça le plan stratégique. Donc, avec ça, ce qu'on a fait, c'est on a fait un diagnostic de la situation actuelle. C'est quoi l'aspect socio-économique de notre territoire? C'est quoi la démographie de notre territoire? On a fait des sondages auprès des citoyens, une consultation auprès des gens d'affaires. On a fait ensuite toute la synthèse des forces et des faiblesses et des pistes d'amélioration qu'on a proposé.
Donc, ça englobe le plan stratégique. C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs auxquelles on adhère? Et c'est quoi la vision que l'on se donne dans une optique? On s'est projeté jusqu'en 2030. Mais naturellement, on a mis des actions pour les trois prochaines années. Et ça, c'est quelque chose, un plan stratégique, c'est vivant, il faut le travailler régulièrement. Fait qu'on s'est dit, un plan d'action de 3 ans, c'est suffisant. Sinon, on s'y perd, puis ça n'a pas de bon sens. Oui? Peux-tu que je donne un coup, là? OK. Donc, c'est quoi le portrait socio-démographique de la municipalité à Saint-Mathieu? C'est une municipalité qui a connu une forte croissance jusqu'en 2011. Vous voyez, on avait une croissance de 14,7% entre 2006 et 2011. On a une légère décroissance là, depuis. Et donc, on arrive avec un taux de croissance annuel de 7,1%. Si vous avez lu les différentes publications de l'œil régional les dernières semaines, il arrivait avec un tableau dans lequel il montrait que la population diminuait à Saint-Mathieu. Je vous avouerai qu'on a cherché ici à l'interne d'où ça venait ces informations-là. Et le journaliste, j'ai communiqué avec, c'était selon Statistiques Canada. On s'explique mal pourquoi il y aurait, si ma mémoire est fidèle, 150 personnes de moins à Saint-Mathieu, alors qu'on a eu des croissances au niveau de la construction domiciliaire, donc, en principe, plus de gens qui demeurent. C'est-tu parce qu'il y a des gens qui étaient rendus à un âge où on quittait pour aller étudier ailleurs ou s'établir ailleurs? C'est difficile à dire exactement, mais nous, en tout cas, les informations qu'on a ici, c'est ça, c'est qu'il y a eu une forte croissance et une estimation de la croissance pour les années à venir. On vise là, pas loin du en 2021, on devrait avoir à peu près 3000 personnes à Saint-Mathieu. C'est qui sur la population à Saint-Mathieu? Ben, en général, je ne vous apprends rien, vous regardez autour de chez vous, vous voyez que c'est quand même une population qui est un peu vieillissante. On a eu une forte croissance de la population âgée de 65 ans et plus. Au niveau des jeunes enfants, on a eu dans les dernières années une petite poussée de croissance, je dirais, de 29% entre 5 ans et 9 ans. Mais le gros de la population se situe entre 20 et 64 ans. C'est là, finalement, 62% de la population de Saint-Mathieu, c'est ça. Mais il faut être conscient qu'on a beaucoup de personnes qui ont plus que 65 ans. Le revenu des ménages, bon, c'est des statistiques qui datent quand même de quelques années, mais c'est les seules qui étaient disponibles. Ils comparent les revenus des différentes municipalités par rapport aux revenus moyen du Québec. Alors, vous voyez, un revenu moyen quand même plus élevé à Saint-Mathieu que dans le reste du Québec. Puis, un revenu total, donc si on additionne les revenus de tout le foyer, bien, je ne dirais pas qu'on est très riche, mais il y a des revenus qui sont importants par rapport à d'autres endroits dans la province de Québec. Donc, les ménages, plus de la moitié des ménages est composé d'une ou deux personnes. On a recensé 365 familles sans enfants, puis 460 avec des enfants. Donc, on en arrive avec un taux moyen de presque 3 personnes par famille à Saint-Mathieu. Donc, comme je disais tantôt, on a fait des sondages auprès des citoyens. Donc, on va vous présenter les résultats de ce sondage-là. Quand on demandait aux gens, quels sont les mots qui vous viennent immédiatement à l'esprit quand on pense à Saint-Mathieu-de-Belleuil? C'est en fonction du nombre de fois où les mots revenaient le plus souvent que c'est le caractère gras, donc ça s'en va en diminuant. Donc, ce qui revient le plus fréquemment, c'est la tranquillité. Les gens qualifient Saint-Mathieu-de-Belleuil, tranquillité, campagnard, proximité, beauté, qualité de vie. Après ça, bien, ça décline les autres. Donc, ce qui nous caractérise réellement, je dirais, c'est la tranquillité, campagnard et la proximité. Ce qu'on veut dire probablement par proximité, c'est proximité des grands centres urbains, des autoroutes, etc. La principale raison qui a motivé les choix d'habiter à Saint-Mathieu-de-Belleuil,
Bien, sans surprise, là, c'est la dimension des terrains qui y arrive en premier. Ensuite, la proximité, la facilité d'accès vers Montréal, mais on aurait pu dire aussi vers d'autres grands centres urbains. La qualité de vie, c'est ces trois éléments-là qui ressortent le plus dans le choix que les gens ont fait de venir habiter à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et ce qui est très intéressant, à mon point de vue, c'est quand on pose la question, est-ce que vous recommanderiez la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil à vos parents ou amis? Bien, la réponse, c'est dans 93 % des gens disent oui. On vous recommande de venir rester à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Quelles sont les perceptions générales par rapport à plusieurs sujets? Je vous invite à regarder les deux dernières colonnes. C'est là, je pense, si on fait l'addition de ces choses-là, où on a quand même un taux de réponse assez satisfaisant. Ça n'exclut pas qu'il y a des éléments qu'il faut regarder sur lesquels les gens sont moins favorables. Ça veut dire qu'on a des besoins à travailler de ce côté-là. Mais en général, je vous dirais que si on fait le total de ça, je pense qu'on a quand même une bonne note globalement. Donc, ce qui est ressorti, c'est qu'il est facile d'avoir accès à tout service municipal. C'est une note intéressante. La municipalité mène des activités de façon transparente. Ça aussi, c'est intéressant. Cependant, 34 % des gens disent qu'ils sont ni en désaccord ni en accord. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Je pense qu'il y a une petite cloche qui sonne, là. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment bien, je ne sais pas. J'obtiens les services valant les taxes que je paie. Ça, c'est toujours important. Vous voyez qu'à 64 % des gens disent bien, j'ai les services pour ce que je paye. Je pense que ma municipalité fait un bon travail. 75 % des gens. Les gens pensent que la municipalité, donc l'administration en général, fait un bon travail. C'est ça que ça veut dire. Que ma municipalité est sensible aux besoins des citoyens. 63 % les services municipaux que j'utilise répondent à mes besoins. Ça aussi, c'est un taux intéressant de satisfaction. La municipalité en fait suffisamment en termes d'environnement, 62 % mais il y a quand même 26 % des gens qui ne savent pas. Quand on pense à la sécurité dans la municipalité, bien, 83 % des gens se disent en sécurité à Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est un point, je pense, assez important pour nous autres. Lorsqu'on a consulté les gens, ils ont demandé aussi, c'est quoi vos priorités? C'est quoi, dans le plan d'action, qu'est-ce qu'on devrait retrouver? Et les informations ont été ciblées en fonction des différents, je dirais, champs d'activité. Donc, ce qui ressort beaucoup au niveau du sport et loisirs, c'est qu'on voudrait avoir plus d'activités pour les aînés. Un cadre de vie plus familial, plus de place pour les retraités. Améliorer le réseau de pistes cyclables. Ça, c'est sûr, quelque chose sur lequel on a déjà commencé à travailler, mais on continue à travailler. Il y a d'ailleurs un projet qui est mis en branle pour relier à partir de Sainte-Julie, Saint-Mathieu, Saint-Marc, Belleuil. Donc, il y a un travail qui se fait de ce côté-là pour relier les pistes cyclables. Élargir les ententes sportives avec les municipalités avoisinantes. On en a déjà beaucoup d'ententes, mais ça nous est relevé souvent. On continue à travailler sur ça. Puis d'ailleurs, je fais partie d'un comité à la MRC qui s'appelle un comité d'infrastructure de loisirs. Donc, il y a vraiment une orientation à la MRC de regrouper au niveau des municipalités toutes les offres de loisirs sportives. Donc, on travaille pour vraiment avoir des échanges entre les municipalités là-dessus. Augmenter le nombre de patinoires, bien, tout de suite, on l'a mis en place cet hiver, il y en avait deux de plus. Avant, il n'y en avait pas. Ensuite, bon, des parcs avec ski de fond, raquettes, vélo, aménager les terrains de tennis, volleyball. C'est un projet sur lequel on avait déjà commencé à plancher pour un terrain de tennis qui a été mis de côté. Peut-être que ça aurait lieu de revenir là-dessus, là, c'est quelque chose à revoir. Au niveau des services de proximité, bon, des services d'épicerie, de loisirs, plus près, sans prendre l'auto pour tout. C'est sûr qu'ici, on a quand même un peu une déficience au niveau des épiceries et des services de proximité sur lesquels, ça, il faut travailler naturellement.
Développement de l'humicité. L'humicité, ça, c'est le développement qui est l'autre bord de l'autoroute 20. Il y a déjà certains commerces qui se sont installés là. C'est là-dedans, je pense, qu'il va se développer d'autres commerces de proximité. Centre de petite enfance, bien, vous l'avez vu tantôt, on appuie le projet pour qu'éventuellement, il y en ait un centre de petite enfance ici. Au niveau développement économique et du territoire, bien, ça a été relevé, là, de construction commerciale. Ça, il faut creuser là-dedans un peu, là, qu'est-ce que les gens veulent signifier par là. Développement de l'industrie, c'est-tu d'avoir, oui, des industries, mais peut-être trouver une façon qui se développe plus harmonieusement avec l'environnement. Ça, je vous avoue qu'il va falloir creuser un petit peu sur ça. Promouvoir une diversification de l'agriculture. Ça, on parlait de la relève tantôt. D'ailleurs, vous avez vu, on a décidé de soutenir financièrement le comité de relève agricole. Justement, ça peut amener des projets de diversification. Limiter le développement résidentiel dense à multilogement et des projets de développement mieux évalués. Donc, il y a une préoccupation de certains individus là-dessus. Je pense que ça nous interpelle. Au niveau de l'accessibilité et mobilité, pensez plus aux personnes handicapées. Disponibilité de transport de ville par autobus pour les étudiants adolescents, exemple vers Belleuil. Au niveau de le transport, effectivement, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. On paye pour le transport en commun. On est mal desservi ici. Je l'ai relevé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, on a une rencontre, si je ne me trompe pas, le 12. C'est ça, c'est la semaine prochaine, avec des dirigeants du réseau de transport métropolitain, justement, pour qu'on puisse aller plus loin. Parce qu'on a beau dire qu'on a mal desservi, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Fait qu'on a réussi à avoir une rencontre avec eux et on va pouvoir faire avancer certaines choses. Ensuite, facilité de transport en commun, je viens de dire. Au niveau de la sécurité, mettre plus de lampadaires sur le chemin des Grands Coteaux. Ça nous a été relevé. Effectivement, ceux qui demeurent sur le Grand Coteau peuvent le confirmer. Il fait noir un peu là. Non, pas si pire. Bon. OK. OK, mais il reste que les gens ont relevé Grand Coteau, mais il y a peut-être d'autres rues où l'éclairage a besoin d'être amélioré. Et c'est un point sur lequel je pense que notre service de voirie peut travailler. Apaiser la circulation sur Bernard Pilon, créer des liens piétons cyclistes entre les quartiers, mais je vous disais tantôt, on travaille pour compléter les liens des pistes cyclables. Apaiser la circulation sur Bernard Pilon, c'est une route qui est municipale. C'est pas nous qui gérons la vitesse là-dessus. J'ai dit municipal, je m'excuse, c'est provincial. Vous avez raison. Vous suivez? C'est bon. Mais par contre, on fait souvent des revendications auprès de la régie de police pour la vitesse, pour le trafic qui est important. Donc, on les voit assez régulièrement aussi là-dessus. Rendre plus sécuritaires les routes en réduisant la vitesse, bien, c'est des gestes qu'on a posés à différents endroits, puis c'est une préoccupation qu'on a pour l'ensemble des rues de la municipalité. Voir à la sécurité avec une couverture policière plus présente et plus rapide, bien, comme je l'ai dit tantôt, on les relance régulièrement. Installer des dos-dents dans les quartiers résidentiels, ça peut être une solution pour diminuer la vitesse. Il y a des choses à évaluer là-dedans. Et se doter et faire connaître le plan d'intervention en cas de sinistre, ça tombe bien parce que justement cette semaine, si je ne me trompe pas, on a une journée où le conseil municipal va prendre du temps avec des gens de la sécurité civile pour nous aider à perfectionner notre plan d'intervention des mesures d'urgence. On en a déjà un, on veut le perfectionner, on veut qu'il soit toujours actif pour que les gens soient vraiment avoir le réflexe s'il y a une urgence, qui fait quoi, puis qui s'adresse à qui. Donc, on veut vraiment que tout le monde possède ce plan-là. D'autres points qui sont ressortis au niveau des infrastructures, bien naturellement, les infrastructures des routes, ça on le sait, refaire les routes, regardez, c'est une préoccupation qu'on a, on circule dans les rues, puis on voit très bien qu'il y a des endroits
il faut mettre beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de nids de poules. Terminer le viaduc en construction, ça ne dépend pas de nous, mais on fait beaucoup de pression pour que ça se complète. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'ils sont à la confection des dessins pour les tabliers. Donc, en principe, ça veut dire qu'en 2019, ça devrait procéder à la reconstruction du viaduc. Régler les problèmes de refoulement d'égout, c'est un point qui nous avait été relevé. Je pense que suite à ça, il y a eu déjà une investigation au niveau de toutes nos usines, pas nos usines, mais nos postes de pompage, pour s'assurer que ça fonctionne adéquatement. Accès à l'Internet à tous les citoyens, ça ne dépend pas de nous, mais on peut faire des pressions sur différents organismes. Ce qui a été fait, M. Jean, d'ailleurs, avait interpellé des personnes pour au niveau du Vidéotron pour avoir un accès au deuxième ruisseau. Pendant la réponse, pour l'instant, c'est non. Vidéotron ne veut pas investir, mais il reste qu'il y a une autre compagnie, là, Extranet, quelque chose comme ça, là, qui offrirait peut-être des disponibilités. Au niveau des milieux naturels, la protection de l'environnement, protéger le ruisseau de tout ce qui contribue à en faire une rivière, augmenter la végétation, améliorer le partenariat. Je vais rester sur ça. Je fais le lien avec les protections des berges du ruisseau Bel-Oeil. J'en ai parlé tantôt, on a eu une réunion. C'est un dossier qui nous préoccupe depuis longtemps. On a fait un bout de chemin, puis on va continuer à travailler là-dessus. Améliorer le partenariat pour un centre de dépôt de produits dangereux au niveau de la MRC. En 2019, il devrait y avoir un éco-centre régional. Ça s'en vient, c'est pas mal avancé. Ville verte, encourager le zéro déchet et le vrac. C'est sûr que ça, c'est des gestes que tout le monde peut poser individuellement, mais la municipalité aussi peut poser des gestes. D'ailleurs, on a une voiture qui est hybride, donc les employés de la municipalité déjà réduisent un peu les gaz à effet de serre. Au niveau de la réglementation, faire respecter les règlements lors des plaintes. Ça, c'est toujours le gros point litigieux au niveau des règlements, ce qui sont adéquats, ce qui sont faciles d'application. C'est pour ça qu'on fait une refonte de nos réglementations pour s'assurer qu'il n'y a aucune place à interprétation, que le règlement est clair pour tout le monde, puis c'est facile d'application. Règlement sur les chiens en laisse et barrières de cour. Ça va de soi que les chiens, ici, on a un règlement qui dit qu'ils doivent être à l'intérieur d'un parc clôturé, puis s'ils sont à l'extérieur du parc, ils doivent être en laisse. Renforcer le respect du règlement de non-accès des véhicules lourds sur les rues concernées. Ça, c'est toujours avec le respect des règlements. Les corps policiers peuvent nous aider là-dessus. C'est des choses sur lesquelles on prend note, puis on peut intervenir. Des relations avec les citoyens, avoir une ouverture d'esprit pour les citoyens et être transparent avec ces derniers, travailler pour les citoyens dans la transparence de l'unité, je pense que depuis plusieurs mois, en tout cas, on s'efforce de faire ça. Au niveau administratif aussi, le travail se fait régulièrement. Pardon? YouTube, ça en est un bel exemple, donc améliorer la transparence aux citoyens. S'il y a quoi que ce soit, à un moment donné, que les gens constatent, qu'ils nous le disent, puis on va corriger le tir, là, il n'y a pas de problème avec ça. Fiscalité et finances publiques, faire en sorte de ne pas avoir d'augmentation de taxes municipales, maintenir le taux de taxation compétitive, mais ça, pas avoir d'augmentation de taxes, c'est le but qu'on recherche. Le taux de taxation compétitif, vous avez vu lors de la présentation du budget, on a quand même un taux qui est vraiment compétitif si on compare avec les autres municipalités. C'est sûr qu'il y a des dépenses, il faut aller chercher des revenus quelque part. On essaie d'équilibrer les choses pour faire en sorte que les taxes soient le plus basses possible. On n'a pas le choix. Utilisation planifiée du surplus accumulé. Bien, au dernier budget, on vous l'a montré. Oui, on a fait une petite augmentation de taxes, mais on a été chercher aussi de l'argent qu'il y avait dans le surplus accumulé. Donc, pour minimiser l'augmentation, on a été chercher de l'argent qui avait été accumulé au fil des ans. Ça nous prend toujours un coussin.
mais on est quand même capable de travailler avec le coussin qu'on a actuellement. Donc, d'utiliser à bon escient le surplus. Et bon, les autres points qui ont sorti, c'est prioriser la tranquillité d'une campagne afin qu'on ne devienne pas une ville. Mais ça, on l'a vu tantôt, ça ressort beaucoup, campagnard. Faire en sorte que la municipalité soit moins dépendante de son service juridique. Ça, je ne sais pas à quoi il faisait allusion exactement. C'est sûr qu'à certains moments, on a besoin d'avoir un service juridique. Je pense qu'on n'en abuse pas. Mais c'est une petite sonnette. Il faut s'en préoccuper. Favoriser l'établissement de jeunes familles, mais avec le CPE éventuellement sur lequel on travaille, bien, ça s'enligne là-dedans pour les jeunes familles. Et le sentiment d'appartenance, bien, on essaie d'améliorer l'offre de loisirs, faire des activités en été, à l'automne, à l'hiver, etc. Donc, on travaille sur ça. Au niveau des entrevues qu'on a faites avec les gens d'affaires, qu'est-ce qui en est ressorti? Quand on parle de gens d'affaires, c'est des gens qui ont des entreprises sur lesquelles on voulait spécifiquement avoir leur opinion. Ce qui a été ressorti, donc, c'est, d'après ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aurait une saturation du parc industriel de Belleuil. Donc, ça serait pour nous autres peut-être une occasion d'attirer d'autres industries ici. Belleuil étant saturé, peut-être si on trouve une façon de les attirer sur notre territoire, ça serait un plus. Localisation très avantageuse des zones industrielles. Ici, on est bien localisé, on est près des dessertes routières, donc l'autoroute 20, l'autoroute 30, la 116. Potentiel de restructuration et valorisation des zones économiques actuelles. Ce qui est ressorti, c'est ça. Il faudrait éventuellement travailler pour se donner une vision économique. Qu'est-ce qu'on veut pour les prochaines années au point de vue de développement industriel sur notre territoire? Ça n'a jamais été fait. C'est quelque chose sur lequel ça serait pertinent de se pencher. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme industrie dans notre parc industriel? C'est sur ça qu'il faudrait travailler. Ensuite, ça revient tout le temps à la même affaire, l'offre de développement des offres de services aux citoyens et minimiser l'impact sur la taxation. Ce qui nous empêche, bon, je l'ai mentionné tantôt, on n'a pas de vision pour le développement économique de Saint-Mathieu. C'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler, avoir une identité économique. Qu'est-ce qu'on souhaite? On parle de complexité du processus d'obtention de permis. Ça fait référence toujours à la réglementation. Il y a aussi des contraintes de la réglementation de la MRC, mais on est à revoir notre propre réglementation. Puis à la MRC, ils ont commencé la révision du schéma d'aménagement. Donc, les municipalités, on n'a pas le choix que de suivre les orientations du schéma d'aménagement puis d'adopter notre réglementation en fonction des orientations du schéma. Donc, c'est tout ça qu'on veut travailler. Si on fait une synthèse de tout le diagnostic, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est quoi nos forces? Ici, on a une qualité de vie qui est, on l'a vu tantôt, mais la disponibilité des grands terrains, la tranquillité, la sécurité, un environnement campagnard, beauté des paysages, proximité de Montréal. Donc ça, c'est vraiment qui a ressorti que c'est les forces à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Cependant, on a des endroits où on peut travailler pour améliorer les choses, et c'est ce qui a été ressorti. C'est un résumé des autres diapos qu'on a vus précédemment. Bon, quand on a parlé avec les citoyens, en général, ce qu'on peut dire, c'est d'améliorer l'expérience citoyenne, simplifier les règlements municipaux, augmenter l'offre au niveau des sports et loisirs, transports en commun, diminuer la vitesse, favoriser les déplacements à pied ou à vélo. Donc, on en a parlé un peu tantôt, c'est des points majeurs qui ressortent. Avec les promoteurs, entrepreneurs, ce qui ressort beaucoup, c'est une vision économique. Revitaliser notre structure d'accueil pour soutenir les gens d'affaires. Donc, ces gens-là se sentent un peu délaissés par l'administration de la municipalité, chose à laquelle il faudrait améliorer les choses. Oui. C'est quoi notre mission et nos valeurs auxquelles on adhère? Ça, c'est toujours un bout assez difficile quand on est en groupe, essayer de se trouver. C'est quoi notre mission? On finit par faire un consensus sur la mission, c'est d'offrir un milieu de vue privilégié grâce au développement stratégique et durable du territoire.
puis les valeurs auxquelles on adhère, qui guident toutes nos stratégies, c'est l'ouverture, donc l'ouverture d'esprit, la proactivité, donc on veut aller au-delà des besoins des gens, on veut faire un travail en équipe pour assurer une réponse optimale aux besoins et aux attentes des citoyens. Ce qu'on veut aussi, c'est améliorer la prestation de services par une meilleure accessibilité, une meilleure écoute, puis la recherche de solutions ensemble. Notre vision pour 2030, si on se projette dans le futur, où on se voit, c'est qu'on se dit Saint-Mathieu-de-Belleuil occupe une place privilégiée comme lieu de résidence et d'affaires dans la couronne sud de Montréal, parce que, bon, il y a la beauté, la sécurité, la qualité. On a une offre pertinente qui va être soutenue par nos politiques familiales, les politiques des aînés. Au fil du temps, vous voyez, on avait fait des politiques les années passées. C'est là, dans ces politiques-là, il y a eu des consultations avec les citoyens, avec les gens d'affaires. Il y a eu un plan d'action qui a été élaboré. C'est pas tombé dans l'oubli, c'est pas sur une tablette. Donc, on les utilise, ces choses-là, pour aller de l'avant. Naturellement, bon, toute la mobilité active, ça ressort toujours. Et en 2020, on va avoir une organisation municipale compétente et performante qui va attirer les talents ici à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Maintenant, notre plan d'action pour les trois prochaines années. On a divisé ça en cinq axes d'intervention pour essayer d'avoir une vision assez éclairée de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, un bloc service aux citoyens, optimisation du potentiel économique, mobilité active et collective, embellissement du territoire et le milieu de travail. Je ne vous lirai pas tout ça en détail. Vous les avez, les documents, vous pouvez les consulter. Mais ce sont des choses qui nous guident. Là-dedans, il y a déjà des travaux qui sont amorcés. Si on prend, par exemple, le premier point, la politique MADA, puis la politique familiale, comme je disais tantôt, il y a eu du travail qui a été fait, il y a eu un plan d'action. On utilise ces choses-là pour faire des choses. Et ça tourne beaucoup là, au niveau de l'offre accrue en ce qui concerne les loisirs. Et il y a du travail qui a été fait, qui va continuer à être fait aussi. Au niveau aussi de l'amélioration avec les employés, au niveau de la réglementation, on en a parlé tantôt, les gens nous ont souvent relevé ce point-là. On l'a mis dans notre plan d'action. Voici directement au niveau qui va faire quoi. On a vraiment des indicateurs qu'on pourra mettre en place. Est-ce qu'effectivement, on va rencontrer les objectifs qu'on s'est donnés dans ces différents points-là. Au niveau de la sécurité des citoyens, on a mentionné tantôt, je ne me répéterai pas, mais c'est déjà des choses qui vont de l'avant. Ensuite, si on continue l'autre diapo, et voilà. Au niveau du potentiel économique, quelles sont les actions qui sont mises de l'avant pour qu'on améliore les choses par rapport à ce qu'on a entendu au niveau du potentiel économique de notre municipalité. Vous voyez, il y a beaucoup d'outils qui devront être améliorés, qui devront être développés. Il y a du travail qui se fait ici à l'interne pour faire en sorte qu'on ait vraiment le réflexe économique pour améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi la disponibilité pour les entreprises. Ah. Au niveau de la mobilité active et collective sécuritaire, bon, on a parlé tantôt, le réseau cyclable, réseau piétonnier, plan d'aménagement pour plus sécuritaire pour les rues, ça passe par des meilleurs éclairages, des réductions de vitesse à certains endroits, une plus grande présence policière. Là, je ne sais pas pourquoi il était mentionné de conclure des ententes avec la ville de Sainte-Julie pour obtenir un arrêt, mais en fait, c'est pas la ville de Sainte-Julie n'a rien à voir là-dedans. C'est directement avec le RTM, donc le réseau de transport métropolitain. Alors, il y a déjà du travail qui est amorcé là-dessus. Ça. Embellissement du territoire, c'est quelque chose qui ressort souvent.
Depuis quelques années, la municipalité fait partie d'un organisme qui distribue ce qu'on appelle des fleurons, donc en fonction des aménagements paysagers qui ont lieu sur les terrains municipaux, mais également sur les terrains privés. Il y a une visite qui est faite par cet organisme-là et il y a des fleurons qui sont attribués. Donc, il y a du travail à continuer à faire là-dessus. Ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'est d'améliorer Bernard Pilon. Donc, le visuel sur Bernard Pilon. Ça a déjà commencé depuis un an ou deux au niveau de l'affichage, essayer d'avoir quelque chose de plus uniforme, de plus joli à l'œil, qu'on pourrait dire, là. Donc, il y a du travail qui est déjà amorcé sur ça. Et naturellement, mais toutes ces choses-là aussi, il faut se préoccuper des employés municipaux. Donc, il faut qu'ils travaillent dans un milieu où c'est intéressant, c'est agréable, et c'est là qu'ils vont pouvoir performer. Donc, vous voyez, il y a des objectifs à rencontrer pour avoir une meilleure performance. Les gens sont plus heureux au travail et rendent des services plus agréables. À ce moment-là, je pense que tout le monde est gagnant. Ça fait le tour, si je ne m'abuse, et voilà. Alors, c'est sûr que c'est un peu rapide. Vous avez les documents dans les mains. Prenez le temps de les consulter. Si vous avez des questions, on peut y répondre tout de suite. Si à d'autres séances du conseil, il y a des choses qui vous reviennent, on les pose. Vous pouvez contacter vos conseillers et conseillères. Les gens ont tous participé à l'élaboration du plan stratégique. Alors, sur ce, est-ce qu'il y a des questions dans ce moment ici? Oui, je vous laisse le micro, madame. Écoutez, moi, je voudrais juste savoir combien de citoyens ont participé. On a été heureusement surpris qu'il y ait pas loin de 80 % de la population qui ont répondu au sondage. Pour ceux qui connaissent les statistiques, ça fait que la marge d'erreur était non significative 19 fois sur 20, qui rencontre tous les standards au niveau des statistiques quand vous voyez les journaux dans les nouvelles. Ça fait qu'on a vraiment vérifié que ça représentait le pouls de la population. Dans ces alentours-là, c'est la majorité de la population. Peut-être pas 80 juste, là, mais ça dans ces eaux-là. Dans vos services aux citoyens, okay, là, vous aviez présenté votre budget, puis il y avait des éléments, vous étiez donné quelques petits points d'intervention. Et dans vos services aux citoyens, bon, on a dit promouvoir de façon permanente les services aux citoyens, aux activités offertes sur le territoire, etc. On s'entend qu'on est présentement à Saint-Mathieu à peu près, je vous ai dit, pour ça je voulais avoir 2729 personnes, selon l'œil régional. On ne s'accrochera pas d'un bébé naissant, là. Alors, et Belle-Oeil, ils sont présentement 23 000 quelque chose en population. OK? C'est un peu normal à Belle-Oeil d'avoir un panneau afficheur. En entrant dans leur municipalité, ils ont un axe routier principal. Saint-Mathieu-Belle-Oeil, on est 2729 en population. OK? On s'est doté, puis ça, c'est très bien fait, puis c'est à votre actif. On a un des conseils, on sait quelles sont les dates, conseil municipal. On a le ruisseau qui est communiqué à toutes les résidences, à tout le monde. On a un site web, il y a Facebook. C'est très bien géré, c'est très bien fait, c'est communiqué. Le site web de la municipalité est bien fait. Si on a besoin de savoir quelque chose, qui rejoindre, on va là-dessus, tout est écrit. Pire aller, on téléphone. Vous avez augmenté les heures d'ouverture. Bravo! La job pour là est bien faite. Mais vous allez m'arrêter l'afficheur. Là, on va se doter les moyens d'une municipalité de 2729. Et l'axe pour le mettre, où est le centre-ville de Saint-Mathieu? Il n'y en a pas. Est-ce que c'est ceux qui passent par Bernard Pilon? Est-ce que c'est ceux qui rentrent par Saint-Jean-Baptiste? Et qu'est-ce que vous faites des gens de Ruisseau à l'autre bout, là? Non, écoutez, là, cet argent-là, prenez-le, puis mettez-le à la sécurité routière. Mettez des panneaux. Regardez les autres municipalités qui ont les moyens, mais l'argent que vous allez mettre sur ce panneau-là, mettez-les.
sur la sécurité routière, tout ce qu'on vous a demandé pour diminuer la vitesse sur les routes. C'est la première chose à faire. Ça, là, ça, c'est non. Je vais faire une pétition s'il faut. Bien, merci de votre commentaire. Ce point-là, il est là parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça intéressant, qui iraient s'il y avait des panneaux d'affichage à différents endroits dans la municipalité. On ne pouvait pas ne pas le mettre là. C'était un point qui avait été relevé. On a parlé ensemble. Est-ce qu'on va le faire cette année? Est-ce qu'on va le faire l'année prochaine? On ne sait pas encore. Est-ce qu'on va le faire seulement? On ne sait pas pour l'instant. Mais ce point-là, il avait été relevé et par respect pour les citoyens qui ont relevé ce point-là, on l'a mis. On a dit, bon, c'est un élément qu'il y a des gens qui le demandent. Je comprends que vous, je comprends que vous, ce n'est pas quelque chose qui vous allume, mais... Un instant. Le point, il avait été soulevé, c'était une suggestion, on l'a pris, la suggestion. On n'est pas rendu à faire la dépense, on a, je pense, encore d'autres discussions à avoir là-dessus. Est-ce qu'on va vers ça? Si oui, est-ce que ça sera quelque chose qui sera complètement à nos frais, ça sera-tu commandité? On ne sait pas. Il y a différentes alternatives qui peuvent être prises pour aller vers ça. Donc, on n'est pas rendu là, madame, à dépenser de l'argent. On n'est pas rendu là à dépenser de l'argent pour mettre des panneaux aux entrées de la ville. On n'est pas là pour l'instant. Fait que, mais je comprends. Oui, il est là, dans le plan. Mais par respect pour les gens qui nous ont fait cette suggestion-là, ben, il fallait le mettre. Comme vous l'avez dit, on essaie d'améliorer les communications avec les citoyens. Il y a eu la page Facebook, il y a eu plein de choses, le site. Ça, c'est un outil supplémentaire que la municipalité voulait se doter pour améliorer les communications avec les citoyens. Justement, dans le plan stratégique, le ruisseau il était très bien coté dans le correspondant. Donc, éventuellement, on pourra en reparler. Si on va de l'avant, c'est sûr qu'on va avoir une discussion ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires que vous aimeriez nous adresser sur la présentation du plan stratégique? Ça va comme ça. Bien, je vous remercie de votre participation. Puis, comme je dis, n'importe quand, si vous avez des questions, revenez-nous avec ça, on va essayer d'y répondre. Merci et bon retour.